Les trois modes de LFO dans Serum. Salut, c'est Yann, j'espère que tu as bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment est-ce que tu peux bien sculpter des enveloppes ou des LFO dans Serum, et tu vas voir que ce que tu comprends dans cet apprentissage, eh bien, tu peux le transposer dans d'autres plugins, dans d'autres synthétiseurs. Alors d'abord, une rapide définition du LFO pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire Low Frequency Oscillator. Donc en français, c'est un oscillateur basse fréquence. En synthèse, un oscillateur, c'est ce qui permet de générer un son, donc un signal qu'on va traiter par la suite et auquel on va pouvoir administrer, enfin gérer en tout cas, différentes fréquences et différents comportements. Le Low Frequency Oscillator, donc le LFO, en fait, il oscille de manière tellement basse qu'en fait on ne l'entend pas, et son but ce n'est pas d'être audible, mais en fait ce mouvement d'oscillation va nous permettre de créer des mouvements dans d'autres réglages, dans des réglages par exemple de volume, de hauteur du son, etc. Alors dans Serum, hein, c'est un plugin qui est vraiment puissant, tu as à ta disposition jusqu'à 8 LFO que tu peux aussi passer en mode enveloppe. Je te montre tout de suite comment on peut utiliser ça directement sur l'écran. Alors, nous voici dans Serum, on va se concentrer sur le LFO1. Ici, on a les trois modes. Par défaut, on est sur off. Donc sur off, ça veut dire que le LFO va être lu en continu. Qu'on appuie sur une touche du clavier MIDI ou pas, il va continuer son mouvement en arrière-plan. Donc je te montre ce que ça fait. Donc il peut démarrer en fait à un endroit dont on ignore par rapport au motif d'enveloppe. Donc ça donne ça. Donc là, on voit bien qu'il est en train de boucler, hein, donc c'est bien le LFO. Et tu vas voir, là, je vais faire des notes que je vais jouer en fait l'une après l'autre avec des coupures entre deux. Et sois attentif, tu vas voir que le mouvement du LFO continue en arrière-plan, même si la note n'est pas enfoncée. Voilà, donc là, tu vois, j'ai comme ça relâché la note plusieurs fois et on voit que le curseur montre bien que le mouvement continue en arrière-plan. C'est dans ça que ça va être différent du mode trig ici, trigger qui veut dire déclencher en anglais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur une note du clavier MIDI, eh bien ça va lire le LFO, donc toujours en boucle puisque ça reste encore en mode LFO, mais à chaque fois qu'on va appuyer sur la touche MIDI, eh bien, ça va relancer la lecture depuis le premier point, c'est-à-dire le tout début du motif du LFO. Voilà. Donc là, tu vois, ça, c'est vraiment indispensable de bien maîtriser ces modes. Et d'ailleurs, dès que tu travailles un LFO, je te conseille de tout de suite calibrer le bon mode parmi les trois, parce que si tu l'oublies par la suite, ça peut vraiment complètement perturber, complètement détruire le design que tu veux faire. Donc si, par exemple, tu veux faire un design de kick et que tu vas gérer le volume d'un oscillateur, par exemple, eh bien, tu veux que ce mouvement soit toujours le même à chaque fois que tu déclenches une note MIDI. Donc là, tu penses bien à te mettre en mode trigger. Et pour terminer, on peut passer en mode enveloppe. Donc là, ça va à la fois être une enveloppe, c'est-à-dire la lecture une seule fois du motif, donc ça ne va pas boucler, contrairement au mode LFO. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche, ça va revenir au début, au premier point, pour que la lecture se refasse depuis le début, comme c'est le cas pour le mode trigger. Donc on voit ce que ça donne. Que tu sois compositeur, beatmaker, producteur de niveau débutant ou plus avancé, sache que je partage des conseils exclusifs avec beaucoup de valeur dans les mails que j'envoie aux abonnés à ma newsletter. Si tu veux t'y inscrire, je te mets un lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir t'y inscrire avec le pack de bienvenue MAO et recevoir en plus des ressources qui sont complètement offertes. Il y a des vidéos, il y a une formation en production musicale, il y a un guide de démarrage et une banque de sons que j'ai créé. Tout ça, c'est complètement gratuit, donc je t'invite à regarder en description.
question. Pour terminer cette vidéo, je vais te partager trois choses, trois aspects que tu peux exploiter dans Serum avec les enveloppes ou avec le LFO en fonction du contexte. Alors, la première, c'est que tu vas pouvoir attribuer une enveloppe ou un LFO à plein de réglages dans Serum, que ce soit des réglages liés aux oscillateurs ou éventuellement au noise, hein, ou même au filtre, mais aussi aux différents réglages de la partie FX, donc de tous les, comment dire, de tous les traitements que tu peux avoir dans la partie FX, c'est-à-dire reverb, EQ, compresseur, etc. Donc, si tu veux, avec le même mouvement que tu crées, tu peux l'attribuer à un ou plusieurs réglages. Donc, c'est extrêmement puissant. Tu peux même l'attribuer à 5, 6, même 10 réglages différents. Donc, si tu as une courbe, par exemple, qui descend comme ça, tu peux aussi bien l'attribuer à un volume pour un oscillateur, à un pitch pour faire varier la hauteur du son, ou même à l'intensité d'une distorsion, par exemple. Donc, ça te permet de sculpter ton son comme ça, de manière très précise et de bien gérer le comportement dans le temps de ces différents réglages en fait. La deuxième chose, c'est qu'avec le mode LFO, tu peux créer donc du mouvement perpétuel sur certains réglages. Donc là, par exemple, tu peux attribuer un LFO qui va par exemple monter et descendre comme ça, hein, de manière courbée ou de manière droite, ça c'est comme tu veux. Par exemple, à la hauteur d'un son, donc un oscillateur, par exemple, sur la petite partie où il y a les semi-tones, hein, qui te permettent de modifier comme ça les demi-tons, si tu veux, et tu vas pouvoir faire varier le pitch dans un sens, puis dans un autre, et ça va donner un petit caractère, en fait, un côté un peu plus organique, un peu plus vivant. Donc ça, c'est encore une fois une astuce que tu vas pouvoir faire sur plusieurs oscillateurs ou sur plusieurs parties comme ça, plusieurs réglages dans la partie oscillateur, donc tout ce qui va être générer le son, ou dans la partie FX pour les traitements, et le fait d'ajouter des micro LFO comme ça un petit peu à droite à gauche, alors tout en sachant ce que tu fais, faut pas les faire de manière au pif, hein, mais ça va comme ça donner encore une fois ce côté beaucoup plus vivant, et ça permet d'amener ton sound design d'avoir un côté un peu moins digital, un peu moins trop carré, un peu moins froid, et au contraire d'aller chercher quelque chose encore une fois de plus organique, de plus chaleureux, donc ça peut être vraiment intéressant à tester. Et enfin une dernière chose, comme tu le sais, tu peux mettre le mode enveloppe ou le mode LFO, mais alors là on va plutôt parler du mode enveloppe sur des réglages d'un EQ, et donc là tu peux faire une espèce de EQ dynamique, hein, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer sur une fréquence, voire sur deux fréquences, puisque dans Serum tu peux gérer deux fréquences avec les réglages qui sont à gauche et à droite de la partie EQ, et tu peux par exemple faire un boost de fréquence ou atténuer des fréquences, tout ça réglé dans le temps avec une enveloppe, ce qui te permet comme ça d'avoir le comportement de certaines fréquences comme tu veux dans le temps. Donc ça peut être super pratique, par exemple si tu veux faire du design de la frappe d'un kick, ou même plein d'autres utilisations. Donc pense-y, parce que c'est pas forcément très compliqué, et ça peut amener une grosse plus-value si tu veux à ton design. Voilà pour cette vidéo, mets en commentaire si tu as des conseils, si tu as des astuces sur Serum, parce que je sais que ça aide pas mal de gens. Serum, c'est un plugin qui est super utilisé par beaucoup de producteurs, donc n'hésite pas à mettre comment toi tu l'utilises, si tu as des choses à compléter par rapport au LFO, par rapport aux enveloppes, hein, c'est toujours intéressant comme ça d'échanger. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche, et je te retrouve très bientôt, à plus tard. Ciao, ciao.